And lui est rien pour faire du mal. I said, I was telling him there's nothing that can hurt. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. It's somebody that I love much. La première fois que je l'avais vu, bon, avant de le voir, je l'avais déjà aimé. Even before seeing him, I loved him. Même la personne qui nous avait mis en contact. Even the person that put us in contact. On a plus de relation comme on a avec lui. There's no more relationship the way we have it. Le pasteur Robert qui m'avait mis en contact avec lui. It's Brother Laurent, the pastor Laurent, who. Et aujourd'hui, nos relations sont plus approfondies qu'il y a encore. And today our relationship is deeper. Than before. C'est lui qui va nous apporter la parole. He's the one who's going to bring us the word today. Donc, toute la bénédiction que le frère Grace m'a donnée, je vais l'envoyer chez lui. All the blessings that the Grace gave him, I'll give it to Brother Joe. C'était un saut. Moi, j'étais là, mais c'est lui qui prêche. I was there, but it's him who preached. Who preach. Il est venu avec toute sa famille. He's here with the whole family. The whole. Vous les connaissez tous, n'est-ce pas? We know them all. La soeur Mimi. Sister Mimi. Sœur Anassa. Sister Anassa. Et la sœur Elena. And Sister Elena. Amen. Amen. Et aussi j'ai ma nièce qui est arrivée. And I also have my niece who just arrived. Et vous ne la connaissez pas. You don't know her. Elle s'appelle Peggy. She, her name is Peggy. Tu peux tenir le mot. Can you stand up with an invitation? Merci pour le soir. Thank you. Have you seated? C'est la fille de ma grande sœur. It's the daughter of my big sister. C'est que les blancs appellent cousin. What the white people call cousin. Chez nous, les cousins n'existent pas. To us, there's no cousins. Donc c'est ma grande sœur. It's my big sister. Donc sa grand-mère. Her grandma. C'est la grande sœur de ma maman. Her grandma. Sa grand-mère. Her grandma. C'est la grande sœur propre de ma mère. Is the big sister of my mom. Donc sa grand-mère est née dans la famille de ma mère. Okay, her grandma is the eldest of my mom's family. Donc quand je l'avais vue, elle était encore petite. When I saw her, she was small. Et on se revoit encore aujourd'hui. And we meet again today. Alors nous te saluons dans le nom du Seigneur Jésus Christ. We greet you again in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Donc sans plus tarder. Without delay. Je vais. Oui, on va d'abord lire la Bible. Okay, we're going to read the Bible first. Then... Je vais. Avant d'inviter le pasteur Gilles. Before inviting Pasteur Joe. Je vais ouvrir avec la prière. I will open to the prayer. Let's pray. Béni sois-tu, dans le Père Céleste. Combien nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. La seule façon, Seigneur, pour nous montrer que tu nous as aimés, c'est de nous donner la parole, Père. Tu as ouvert les seaux, Seigneur, car dans ces seaux, la divinité nous a été ramenée. Père, à l'ouverture des seaux, nous avions été connus comme nous avions été. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en ce moment, Père, en lequel nous allons nous réunir ici, Seigneur, en lequel nous allons écouter la parole de la prophétie, nous te prions, Seigneur, qu'une compréhension surnaturelle puisse être sur nous, Père. En fait, Seigneur, que nous puissions saisir ce que tu as mis, Seigneur, dans la bouche du frère Gilles. Nous te disons infiniment merci, bénis Seigneur la congrégation et que nous puissions être point et que tu puisses nous joindre spécialement. Père. Nous abandonnons tout ce que nous allons faire, la lecture de ta parole, les offrandes, tout entre les desseins de nos humains. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons l'habitude de mettre la voix des offrandes derrière. We have normally have the offering at the back there. On n'aime pas faire passer la loi des offrandes. We don't bring in the offering basket around here. Pour embarrasser les gens. To embarrass others. J'ai vu les gens être embarrassés dans les églises. I've seen people being embarrassed in church. La loi des offrandes arrive. When the offering basket come by. La personne fait ça. The person will turn the head. Alors nous on fait pas de ça. We don't want that. Parce que donner. Give. Ça doit venir du cœur. It has to come from the heart. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Make the Lord bless you. C'est le frère qui va interpréter. J'invite Pasteur Gilles. Pasteur Gilles. C'est le frère qui va interpréter. It's Pasteur Gilles who's going to translate. J'ai déjà tout mis là. I've already put it in with him. Amen. The revelation. Ou bien je vais dire que je vous bénis tous. I bless. C'est moi qui vous bénis. It's me who bless me. Amen. Amen.
Je répète, je vous bénis. I repeat it, I bless you. Okay. J'ai besoin de vos prières. I exhaust my prayer. Je suis Dieu. Because of God. Amen. Amen. Ça commence bien. It started very good. Non, ce que vous avez demandé, moi je peux prier. What you ask for, I give it to you. Amen. Moi je ne suis pas trop musulman, parce que j'ai une voix qui est bien. I don't really need microphone because I have a good voice. Alors, we thank Brother Eric. Il a confiance en moi. He believes in me. Pour m'avoir permis de parler devant vous. To allow me to speak before you. Je ne suis pas un prédicateur. I'm not a preacher. Je parle de la parole que nous avons reçue. I only speak of the word that we received. Parce que, comme Frère Branham le dit, as Frère Branham said, tout a été révélé. Everything has been revealed. Tout a été fait. Everything has been done. Et le reste montre simplement comment il l'a fait. It's the only thing left to show how it was done. Je suis un raconteur des histoires. I'm only here to give story. I'm a story giver. Je vais vous raconter l'histoire de la rédemption. I will give you the story. I will tell you the story of redemption. Donc, que Frère Eric soit béni, toute sa famille. May Brother Eric be blessed, and all friends, and the friends, and our family, children and wife. Notre bien-aimé Frère Eric. Our brother, Brother Legend. Et son épouse. And his wife and kids. Je remercie. Je suis quand même reconnaissant d'avoir beaucoup de jeunes ce matin. I'm really grateful to have so many young people this morning. Parce que nous allons parler d'un mot. Un mot. We come to speak of one word. Dans ce pays-ci. In this country. Les parents commencent à formater leurs enfants. Parents start to train their children dès le bas âge. Since they are young. C'est-à-dire que dans ces pays européens, so it means in this European country, dès que les enfants viennent au monde, when children are born, ils leur disent que they told them that ils sont supérieurs aux noirs. They are above blacks. Ils sont supérieurs aux Asiatiques. They are above Asians. Ils sont supérieurs aux tout. Donc c'est la race blanche qui est la race blanche qui est supérieure de tous les autres. That means the white race is above every other race. Donc les enfants grandissent avec cela. Children grow up with it. Et en devenant grand, and growing up, ils se considèrent comme meilleurs que les autres. They consider themselves as better than others. Même s'ils ne sont pas intelligents. Even if they are not clever, intelligent. Parce qu'ils sont des blancs. Because they are white. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs que les autres. They think they are better than others. Amen. Et ils leur disent que they always told them, quand vous voyez ces noirs qui viennent ici, when you see this black coming here, tous sont des vendeurs de drogue. All of them are drug dealers. Donc ils grandissent comme cela. They grow up like that. Quand tu vois un noir, when they see c'est un vendeur de drogue. He's a drug dealer. C'est un voleur. He's a thief. Parce que les parents ont dit cela aux enfants. Because the parents et les enfants grandissent avec. And the children grow up. Oui. Ils ont cette vision des choses. They have the vision of the thing. Mais chez nous, dans nos pays, dans nos familles, because in our countries, in our nous faisons toujours jour que les enfants ne voient rien. Les enfants voient rien. They always say children are got no value. Ils sont des bourriques. They are stubborn. Et en grandissant, ils deviennent des bourriques. And growing up, they become parce qu'ils ont écouté cela. Because they had the verdict since they were young. Donc ils les deviennent. Then they become it. Oui. Et de l'autre côté, eux, ils disent aux enfants que vous êtes les meilleurs. And the other side, they tell the children you are better. Même à l'école, ils ne réussissent pas, mais ils sont meilleurs. Even in school, they don't pass in school, but they still say they don't succeed in school. Oui. They're better. Alors, ils ont construit des préjugés. So they bring some prejudice. Donc quand tu vois un noir, donc when you see a black, c'est un demandeur d'asile. Is il a ouvert la fenêtre chez lui. He ran from Africa. C'est un vendeur de drogue. He's a drug dealer. Donc ils savent comme ça. That's how they know it. Tout comme aujourd'hui, as the same as today. Quand tu es dans un bus, when you are in a bus, tu es assis à côté d'un homme barbu juste ici. You're sitting near a person with a long dans ma pensée, in your mind, je suis assis à côté d'un terroriste. I'm sitting next to a terrorist.
Donc j'ai servi cet homme-là. So I'm watching this person. Je me souviens d'ailleurs il y a quelques années passées. I remember a few years back. Il y a un monsieur qui était dans un avion. There was a man in the plane. Et la personne qui était à côté de lui était en train de voir, cet homme-là avait la barbe évidemment. And the person next to him had beard and was right. Il était en train de faire des dessins que l'autre a trouvé bizarre. He was doing some drawing. He was drawing that the other person found to be. Et la personne qui était à côté de cette personne. And the person that was next to that person. A même alerté donc les membres de l'équipage. He even alerted. Et ils ont fait intervenir la police. And they brought the police. Hein, parce que l'autre là, il est terroriste parce qu'il était en train de faire des dessins. That person is a terrorist. He was doing some strange drawing. Alors que cet homme là, while that person, c'était un grand intellectuel. He was a very great intellectual. Il était en train de faire de la physique quelque chose. He was doing some physics. Parce que l'apparence, because the appearance, hein, parce qu'il a la barbe, because he had beard, donc c'est un terroriste. He's a terrorist. Ça, c'est ce qu'on appelle le préjugé. That's what we call the prejudge. To prejudge. Donc, nous allons étudier ce mot-là. We going to study that word. Alors, parce que moi j'aime bien quand je parle de quelque chose. Alors, when I speak about something, il faut que je sache la signification de la chose. I have to know the meaning of the thing. Il faut que je sache de quoi je parle. I have to know parce qu'aujourd'hui, nous sommes pas au temps de tâtonner. We are not a time where we have to guess. Parce que nous avons toute la révélation complète. Because we have the complete revelation. Nous savons de quoi nous parlons. We know what we're talking about. Voyez-vous? Alors, je suis allé voir. Excusez-moi, je vais lire le dictionnaire. Excuse me. Avant, nous avons lu le mot, bien sûr. The dictionary. We're gonna read the word. Alors, le préjugé, c'est quoi? What's prejudge? Donc, d'après Wikipédia, according to Wikipedia, les termes préjugés, the word prejudge, désignent des opinions adoptées à l'absence d'informations ou de pratiques suffisantes. Prejudge, adopted opinion in the absence of the information. But the lack of information. C'est-à-dire qu'une personne a un jugement sur quelque chose. Because a person has a judgment on something. Sans avoir des informations suffisantes par rapport à la chose. Without having enough information about the thing. Yes. Alors, la deuxième signification, ça c'est le dictionnaire français. The second meaning. Les préjugés. The prejudge. Ce sont des opinions a priori favorables ou défavorables. Is opinions which is favorable or not qu'on se fait sur quelqu'un that we make on somebody ou quelque chose or something en fonction des critères personnels ou d'apparence or on a certain appearance personal je ne connais pas la personne mais I don't know the person mais quand je la vois or when I see the je porte directement un jugement par rapport à la personne. I will make a judgment according to the person sans la connaître without knowing the person ou bien un jugement sur quelque chose or a judgment on something sans connaître la chose without knowing la chose or know the thing or understand the thing. Et une autre signification and another meaning opinion hâtive opinion est préconçu est préconçu souvent imposé par le milieu which I receive or understood by the people by a certain group or certain people l'époque or a certain time l'éducation or education ou dû à la généralisation d'une expérience personnelle. Or to generalize the personal experience. C'est ça un préjugé. Le préjugé, parce que souvent c'est un mot qu'on utilise au pluriel. And that's the prejudice. Most of the time is the word we use in plural. Amen. Maintenant, nous allons lire les Écritures. Now we're going to read the Scriptures. Excusez-moi, je ne suis pas formaliste. Hein. Excuse me, I'm not. Faut faire ceci selon l'ordre, ceci établi. To do it according to the law. Souvent, je suis anti-ordre. Sometimes I'm against order. Amen. Alors, nous commençons à lire dans Jean chapitre 7. We start to read by John chapter 7. Nous commençons au premier verset. We start from the first verse.
Et puis, jusqu'au 24, c'est une longue lecture quand même. Up to 24, it's a very long reading. Après, nous irons dans chapitre 7. Du 1er au 24 verset. Après, nous irons dans Daniel chapitre 12. Then we go to Daniel chapter 12. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître, et lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas, ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Amen. Amen. Montez-vous à cette fête pour moi, je ne monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il ?» Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, parce que, par crainte des Juifs, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Vous voyez les préjugés? Parce que d'après eux, avant de parler des Écritures, il fallait d'abord aller à l'école. See the prejudice. Ils se sont fait des opinions. According to them, before knowing the scripture, he had to go to school. Continuons simplement. Let's continue reading. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. C'est lui qui parle de son chef, cherche sa propre gloire, mais c'est lui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui es-tu? Et qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme les jours du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision les jours du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier les jours du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Amen. Nous sommes dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Je crois que nous connaissons ceci parce que nous sommes des lecteurs de la Bible. En ces temps-là, célébrera Michaël. En ces temps-là, célébrera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux donc de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et tout, moi, Daniel, j'ai regardé et voici, deux autres hommes s'étaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de pèlerin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit. Et je crois que vous vous souvenez de notre verset qui parle de la même chose. Et il jura par celui qui vit éternellement, amen, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié des temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Amen. Comme je dis, c'est la même chose. Daniel ne comprit pas non plus. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Et vous assurez. Tu m'as visité. Comme le frère l'a dit, nous ne sommes pas étrangers. Il y a Benny, je crois que c'est la première personne, la première fois où tu participes à une réunion pareille. Alors, si quelqu'un parmi nous a peut-être ne va pas comprendre quelque chose, peut-être tu peux sortir de la bouche. Oh, if somebody don't understand something that comes from my mouth. Moi, on parle de préjugés. As you're speaking about the judge. Donc, vous pouvez toujours m'interpeller. Alors, poser la question. You can still call me and ask the question. Amen. Voilà. Alors, nous venons de lire ces épîtres de Jean, Just read this. Les gens du temps. John. Comment les pharisiens, lisez un peu si vous avez le temps, Jean chapitre 6. Read with your time, John chapter 6. Et Jean chapitre 8. And John chapter 8. Ça, j'aime bien ça parce que c'était la discussion de Jésus et les pharisiens. It was the debate between Jesus and the Pharisees. Frères et sœurs, je vous dis une chose. Brothers and sisters, I'm telling you something. Aujourd'hui, nous parlons des pharisiens. Today we speak of Pharisees. Ces gens-là n'étaient pas des fous. Those people were not mad. Ces gens-là étaient des gens honnêtes. They were honest people. Ces gens-là, c'était des gens saints. They were holy. C'était des gens qui étaient vraiment consacrés au Seigneur. They were people that were consecrated to the Lord. C'était des gens très sérieux. Brother, they were serious people. Qui croyaient vraiment aux Écritures. Those who believed the Scriptures. C'était des gens qui ne rigolaient pas avec la parole. There were people that did not mess around with the word. Si la parole dit point, if the word said, ils disaient point. They will say first one. Si la parole dit virgule, if the word said comma, ils mettaient virgule aussi. They will also put the comma. Sont des gens qui ont été instruits dans les Écritures. They are people who are instructed. Ils étaient ancrés dans les Écritures. They were entered away in the word. Ils savaient de quoi ils parlaient. They know what they were talking about. Amen. Amen. Sont des gens qui attendaient vraiment le Messie. There are people that were waiting for the Messiah. Ils croyaient vraiment à Moïse. They believed in Moses. Ils croyaient vraiment à tous les prophètes. They believed in all the prophets. Frère, s'il y a des gens sérieux, people, brothers, they are serious people. C'était ceux-là. Those are the more serious. Peut-être que nous sommes un peu trop légers. Maybe we are. Mais ces pharisiens-là, those brothers, c'était des gens très très sérieux. They were very serious. À tel point que, up to the point, si quelqu'un faisait quelque chose, if somebody did something, qui n'était pas les Écritures, which were not the scripture, c'était très grave. It was very. On l'a vidé. They will stone the person. Pour montrer, j'ai dit ceci. I'm saying this. Pour montrer simplement. Only to show. Le sérieux de ces hommes-là. The seriousness of those people. Mais malheureusement. But. Unfortunately. Hein, malheureusement. Unfortunately.
La personne qui s'attendait, the person that we were waiting for, quand c'était pointé là, when he stood there, ces hommes sérieux, those serious people, ces hommes religieux, those religious people, ces hommes saints, those saint people, ces hommes consacrés, those consecrated people, quand la personne qu'ils attendaient était là, when the person that which they were waiting were there, ils l'ont appelé démon. They called him demon. Amen. 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 Ils l'ont appelé Belzébul. They called him Belzébul. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'était pas venu selon leur pensée. Because he did not come according to their. Alors que eux-mêmes chantaient dans les temples. While they were singing in the temple. Et voici soudain entrant dans son temple. Oh, sadly, we will come in. Le Seigneur Dieu que vous attendez. The Lord God that you are waiting for. Mais quand tu es venu, but when he came, il est venu selon la parole qui était écrite. According to the word which was. Non pas selon les pensées des gens qui étaient là. According to the mind of people that were there. Pour eux, for them, parce qu'il devait entrer dans son temple. Because he was supposed to enter into his temple. Il fallait construire des beaux synagogues. They were supposed to build beautiful temples. Comme nous les voyons aujourd'hui. As we see today. Amen. Pour eux, for them, faut que ça soit les plus grands bâtiments de la ville. Vous savez Dieu, your God, le grand Dieu, the great God, il doit venir dans un beau bâtiment, yes, dans un grand fauteuil, c'est un Dieu, it was God. Il est saint, ça doit être propre, ça doit être magnifique, beautiful. Pour eux c'était ça. For them, that's nous ne parlons pas des histoires, nous parlons la réalité. Aujourd'hui, nous voyons des grands synagogues, des grands temples, il y a la concurrence des églises. Amen. Mais malheureusement, en fait, quand il est venu, when he came, il est venu dans un endroit sale. Il ne va pas regarder les beaux temples. C'est pour ça qu'ils ont, parce qu'ils avaient des millions. That's why they had money. Il fallait construire des beaux bâtiments. Parce que les temples de Dieu, the temple, doivent mais les choses en or, toutes ces choses, parce que Dieu, because it's God. Ça c'est la pensée humaine. That's man mind. Ça c'est les idées de ces autres femmes. They're thinking that they made themselves. En fait, ces idées-là étaient venues de la parole. Those ideas came from the word. Ils n'ont pas inventé cela. They didn't make it up. Mais c'était une mauvaise compréhension de la parole. Very wrong back. C'était une mauvaise vision. The wrong vision of the word. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Frère, brother, ne préjugez. The combien nous tous sommes concernés de préjugés. Tu vois une personne pour la première fois, la manière dont elle est habillée, cette personne-là, on porte déjà un jugement. You already made a judgment. C'est une Jezabel. That judgment. Ah, celle-là, that one, c'est une prostituée. C'est une prostituée. C'est celui-là, that one, ça doit être un bandit. He has to be a gangster. Oui, ça c'est ça là, c'est ça que nous sommes. That's what we are. Si tous les frères disent ça, if all the messages brothers, méfiez-vous de ces gens-là. Je m'excuse. Si vous êtes, nous sommes libres. Hein? We are free. Méfiez-vous du pharisaïsme. Be careful Pharisees. Faisons attention avec cette chose-là. Be careful with those things. Les frères du message. The brothers of the message. The so-called brothers of the message. Les sœurs du message. The so-called sisters in the message. J'ai jamais vu une sœur du message qui s'habille comme mentalement. I've never seen a message sister dressing in a hier, on était au magasin. Yesterday we were in the market. Il était toi qui j'ai dit au frère, regarde le sœur du message. I saw the brother look at him. On ne voit rien. We don't see anything. Tout est caché. Everything is hidden. Tout, on ne voit rien. Everything, non. On ne sait pas si c'est un robot. We don't know if it's a robot. On ne sait pas si c'est un homme. Or it's a man. Mais il y a quelque chose qui bouge. But it's not moving. C'est le sœur du message. Je vous en dis sur votre message. Diabolique. Et, from the devil. L'habillement de
the dress is. Si nous nous limitons sur l'habillement, if you only remain that by the dress, la Bible dit. This is what the Bible says. Les royaumes des cieux, the kingdom of heaven, ne consistent pas à not made of, d'aller manger, of eating, d'aller boire, drinking, ni dans ce qu'on revêt, or what we are dressing. Donc les royaumes des cieux, the kingdom of heaven, n'a rien à voir avec ce que tu manges, avec ce que tu bois, ni la manière dont tu t'es habillé, the way you are dressing now. Et tu t'habilles comme un prêtre, you dress as a priest. N'est pas de problème. It's no problem. T'es dit t'habilles comme je ne sais quoi. If you dress as ça n'a rien à voir avec les royaumes de Dieu. It has nothing to do with the kingdom of God. Parce que le royaume de Dieu n'est pas attrapé les gars. Because the kingdom of God is not. Le problème avec nous aujourd'hui, nous sommes limités sur les choses superficielles. We just on the nous sommes limités sur les choses passagères qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. C'est ça le problème que nous avons. C'est pour cela aussi qu'il y a des préjugés parfois. Vous voyez, à d'autres termes, des idées arrêtées. Des idées arrêtées, quelque chose cela fait, pardon, ça doit être comme cela. Something that we prepare, it has to be like that. Si ce n'est pas comme cela, it is not like that, ça ne doit pas être de Dieu. It's not from God. Et c'était le cas pour ces pharisiens. It was the same for those Pharisees. Parce qu'il est venu, because he came, d'une autre manière de leur propre pensée. He went away from their own mind. Amen. Yeah, amen. Nous, c'est mieux qu'on dise ça, pardon. It's better for us to live, pardon. Nous sommes dans la porte du cœur. We are at the door of the house. Porte du cœur, prêché le 16 mars 1958. Preach the 16th of March. Paragraphe 45. Paragraphe 5. Très bien, on dit ceci. Je vais commencer et souligner en bon, c'est que vous ne voyez pas ça, mais c'est pas grave. Ce qui est souligné en bouche. Très bien, on dit ceci. Puis, il y a une autre petite porte qu'on appelle les préjugés. Then there is another little door called the church. Combien de gens aiment conserver cela? How people love to keep that back. Ils ne veulent pas que Dieu ouvre cette porte. They don't want God to open that door. Oh, combien de gens aiment. Oh, nous sommes des conservateurs. Oh, we are conservative. C'est comme cela. Oh, this is how it is. Ça doit être ceci. It has to be like this. Si ce n'est pas comme ceci, if it's not like this, c'est faux. It's wrong. Amen. Parce que nous avons nos propres idées. We have our own ideas. Depuis que nous étions enfants, since we were children, les parents nous ont amené. Vous savez qu'aujourd'hui les gens ont plus les catéchismes dans leur tête que la parole. You know, I might not have catechism. Nous avons tellement mémorisé ce que les prêtres nous ont enseigné. Memorize what the priest taught. Qu'est-ce que Branham nous enseigne? What Branham taught us today. Amen. Amen. Parce que Jésus devait venir, Jesus, on va voir le ciel s'ouvrir et Jésus descend du ciel. Jesus coming down from heaven. Parce que c'est ça qu'on nous enseigne. That's how we were taught. Donc si ce n'est pas comme ça, it's not like that. C'est pas vrai. It's not true. Alors quand nous allons vers les Écritures, when we go to the nous ne voyons pas cela. We don't see it. Parce que les Écritures disent qu'il devait venir sur le niveau de gloire. We're supposed to come in a cloud of glory. Donc la seule manière, the only way, que Jésus devait venir, c'est sur le niveau de gloire. Oh, en aucun autre moyen, c'est pour pouvoir étudier les Écritures. Je vais vous faire remarquer une chose. Dans les livres des Actes des Apôtres, quand Jésus a été enlevé, les disciples étaient là à regarder au ciel. The disciples were still looking at heaven. Remarquez, notice. Deux anges sont venus. Two angels came. Ils ont dit aux disciples, pourquoi n'arrêtez-vous pas à regarder au ciel? Si Jésus que vous voyez partir, c'est la même manière. Alors que la Bible nous dit, dites-vous quelque part, la Bible nous dit, toujours dans les Actes chapitre 1er, qu'il était un homme. Quand il est monté, la nuée est couverte. Et les anges là qui sont venus, et la manière dont il est passé, c'est la même manière qu'il faut revenir. C'est pourquoi ils s'y tournent. Pourquoi ils s'y tournent? Why are you? Remarquez. Listen. Quand nous sommes dans ma passée,
Matthieu 17, déjà je ne vous en parle pas. Mais si c'est le cas, on peut en parler. Dans les messages, c'est Luc 17 et 30. Luc 17, une personne, et Matthieu 17, personne n'en parle. Mais si c'est le cas, alors que Jésus lui-même est sur la terre, a montré aux disciples pourquoi il devait venir sur la terre. Il voulait savoir comment il devait venir à sa seconde venue. Amen. Frère Branham nous dit que Matthieu 17, c'était l'avant-première. C'était un avant-goût de ce que Jésus devait être à sa venue. Frère Branham dit que c'était une répétition. Donc en fait, les disciples étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que toujours des préjugés. Jésus a dit que quelques-uns parmi vous ne mourront point sans qu'ils aient vu dans la vie. Amen. Ça c'est Matthieu chapitre 16. Verset 28. Matthieu 17, chapitre 1. Matthieu 17. 6 jours après. Amen. 6 jours après, il a pris Jean et Pierre. Je les ai amenés ici pour montrer ce qu'ils viennent de dire. Que vous, vous n'allez pas mourir avant que vous voyez la seconde venue. Donc, Pierre, Jacques et Jean ont vu la seconde venue de Jésus. Sur la montagne de l'autre, parce que nous, quand nous parlons de la parole, si vous regardez à Israël, parce que vous avez toujours des préjugés, Israël aujourd'hui, c'est un pays comme tout autre pays. Amen. Netanyahu qui est là, si vous dites que vous allez passer à la nouvelle Jérusalem là, on va vous arrêter, vous serez des immigrants illégaux. Décidé conçu. Décidé arrêté. Stop. Et il y a des chants qu'on chante là chez vous là. Depuis que Jésus a quitté les siens, il est toujours en route. Ils sont en route. Comment on chante ça si on chante tout là? Mais c'est normal parce que tellement c'est loin depuis qu'il a quitté le monde. Les coins sont fatigués, mais c'est juste ça que ça va se passer. Parce que vous, la réponse,
difficile. Il faut de l'acte. Il a des milliards et milliards d'années. Maintenant, il a pied. Parce que les prêtres un jour ont dit cela. Parce que les pasteurs un jour ont dit cela. Voyez-vous, parce qu'ils prêchent un évangile de paraboles. Mais nous, nous ne prêchons pas des paraboles, frère. Mais nous, nous parlons des paraboles expliquées. Mais c'était ça avec les pharisiens. Le problème des pharisiens, c'est que Dieu devait venir. Quand on est au il est bon dans la mystère. Et frère Abraham nous dit, toujours dans cette situation, mais ne voulez-vous pas quelqu'un, j'ai des petits préjugés dans ma foi, des préjugés même par rapport à la parole, par rapport à la foi. Il dit, vous n'en avez pas beaucoup, mais juste un peu de préjugés. Vous voyez, parce que les gens qui fréquentent mon église, ça vit un peu mieux que ceux qui vont dans cette mission-là. Vous voyez, donc nous avons des préjugés. Même quand les voyages, toi tu pries où? Dans le ministère. Là, ils sont déjà dans les réunions. Parce que pour eux, les milléniaux, c'est à Jérusalem. Jérusalem. Pas vous arrêter là. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je suis en train de dire, amen. Les milléniaux, c'est quoi? C'est l'homme qui fait rien, c'est l'homme qui fait la vie. C'est Dieu qui travaille. Parce que l'homme se repose. Dieu se repose. Le septième jour, aujourd'hui, c'est l'homme qui se repose. Et c'est Dieu qui travaille. C'est pas compliqué de ça, frère. C'est une chose tellement simple. Mais à cause des préjugés, à cause des idées que nous avons reçues, les gens ont tout à coup passé au côté de la réalité. Nous sommes dans, ici dans ces souvenirs du Seigneur. Ces souvenirs du Seigneur, le 9 décembre 1962, il dit, et c'est pareil pour les membres de l'église d'aujourd'hui. Comme ils avaient, j'aime ça en français, ah, mais ok, vous pouvez lire en même temps, c'est bon. Et c'est pareil pour les membres de l'église aujourd'hui, comme ils avaient placé leur confiance dans leur dénomination et tout, à leur époque, ils étaient redoutés à cause de leur prestige qu'on les chasse des synagogues. Qu'était ça alors? C'était de l'idolâtrie. L'adoration d'un credo idole ou d'une religion idole d'église plutôt que d'accepter la parole vivante qui avait été manifestée devant eux. Vous voyez? Parce qu'ils attendaient le Messie. Et le Messie est venu réellement. Mais le problème c'était quoi? Le problème, les gens étaient tellement liés. Ils sont tellement liés. Les gens sont liés au Christianisme, aux histoires des églises, qu'ils ont loupé de voir la parole qui était manifestée devant eux. C'est un homme du paragraphe 104, c'est faux. Et ils avaient vu la parole de Dieu. Ils avaient vu la parole de Dieu. The word of God. Et la Bible dit, nous l'avons vu et nous l'avons touché. Les êtres humains posaient des mains sur la parole vivante, littérale. Putting their hands in the literal word of God. Manifestaient du Dieu vivant. Manifested of God. Mais ils ont laissé leur tradition et leur credo se tenir entre eux. To be among them. Frère, brother, ce qui s'est passé à l'époque, what happened, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. The same happened today. Là, Jésus est venu. There, Jesus. Ils l'ont vu. The servant. Frère, là, c'était pas ce que c'était visible. En fait, il y avait des choses qu'ils espéraient. Il y avait des choses qu'ils voyaient avant. Et ces choses qu'ils espéraient, des choses qu'ils voyaient, étaient venues les vendeurs. Matériellement. Ils l'ont touché, parce qu'ils l'ont vu. Mais au lieu de croire à cette personne, ils ont traité.
regarder. Combien, je ne sais pas comment dire les choses. I don't know how to say it. C'est un photographié ici. Jésus, Jésus, hein?
qui était dans la chair. Who was in flesh? Avant qu'il vienne dans la chair, il faut qu'il vienne. Il était qui? Who was? Il était la colonne de feu. Mais amen. Amen. Maintenant, quand il est mort, oui. Après. Quand tu es mort, ressuscité, il est retourné dans sa forme qu'il était avant. Il est la colonne de feu. Nous avons une preuve. Paul, sur le chemin de Damas, à l'intersécurité, l'église, il voit une colonne de feu qui est du Seigneur. Jésus. Il y a une personne qui te dit, que moi j'appelle colonne de feu. Mais moi je suis un peu. Mais maintenant, nous les voyons cette colonne de feu. Mais si c'est un peu. Il y a un prophète qui nous dit, c'est le Seigneur Jésus. Mais toi tu es fils de quoi? Donc toi tu es un échange de Dieu. Non, il dit n'est pas. Vous voyez combien de satans sont des églises aujourd'hui à tous les parents. That's good. S'ils sont pas d'accord avec quelqu'un qui voit avec les écritures, ils viennent là à lui, 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 ils viennent là. Ça n'existe pas. À moins qu'ils aient créé ça à un chef. Il n'y en a pas. Parce que quand tu viens sur le niveau de gloire, c'est pas terminé. Donc, là, on va aller à la cour. Après, quand il se soutient, oubliez ces histoires-là. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. À qui vous êtes fatigué pour vous aider la bonne vie, l'argent de les enfants. Le préjugé, le plus tard, décidé et le reçu, à dire, c'est établi. Ça doit être comme ceci. Si ce n'est pas comme ceci, c'est faux. It's wrong. Mais comment c'est faux? How is it wrong? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la parole. Parce qu'à chaque chose, nous devons voir cela, selon la parole. C'est l'Apocalypse, Revelation. Et quand vous suivez cette prédication, Saint Branham, t'as vu que j'ai parlé des champs, nous entrons aux champs, comment je suis allé venir. Qu'est-ce qui allait se passer? Ils veulent pas la parole. Ils ont le word. Et ils se disent église du message. Ils disent frère, ce qu'on met sur le bon cœur, le message n'a pas mal. Ce message, ils ont une church. Mais j'aime pas ce terme. Nous sommes l'église du message. Dans la liste, terme, we are the message church. Mais frère, madame, dit, je vais demander à personne de faire une église en mon nom. Frère, madame, n'était pas un prophète d'une certaine église. Les préjugés. Les prudents. Voyez, amen. Les préjugés. C'est ça, frère. Voyez, il dit,
Hein? Il dit, ils avaient vu la parole de Dieu. La Bible dit, nous l'avons vu et nous l'avons touché. Hein? Des êtres humains passés des mains sur la parole vivante et littérale manifestée du Dieu vivant. Hein? Hein? Du Dieu vivant. Mais ils ont laissé leur tradition et leur credo se tenir entre eux. Les lavages des cruches, des peaux, une chose aussi souillée, se tenir entre eux et les dieux vivants. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens ont préféré leurs églises, les gens ont préféré leurs pasteurs, les gens ont préféré leurs rites, que la parole vivante manifestée en autre chose. Frère, je crois une chose. Amen. Voyez-vous, je crois que les âges de l'église ont pris fin. Frère, on a dit que c'est comme ça que les âges de l'église sont pris fin. Nous sommes dans un autre âge. N'oubliez pas que chaque âge a un message. Nous sommes dans le huitième jour. Le huitième jour a le message. La vie se trouve dans le message du huitième jour. La raison pour laquelle Frère Branham a prêché le message même pourtant. Reconnaître votre jour et son message. Il fait beau croire que Branham c'est un prophète, mais quand on ne reconnaît pas même dans les termes du vie, ça ne sert à rien. Tu peux faire des cubites, tu peux guérir toutes les maladies, pour des symptômes, pour te voir et ça. Parce que chaque âge a son message. Les problèmes des pharisiens, c'est pour eux. Ils voulaient garder le message de Moïse. C'est ça le problème des pharisiens. Parce qu'il dit ça, Jésus, nous avons tout fait. Abraham. Et ce qui est plus grand que les Moïse, c'est le Jésus. Voyez, et il voulait amener le message de Moïse pour nommer Jésus. Ça ne marchera pas. Et c'est la même chose. Oui, nous voulons amener le message de Fante Moïse dans le week-end. Ça ne marche pas. What's the problem? On fait un tour. We do. Vous savez quoi vous dites? Barbara says. Comment commence une dénomination? J'aime ça. How is that a denomination? Barbara says. Dieu révèle des choses. God reveals something. En fait, au départ, c'est une révélation. Before in the beginning, it's a revelation. Dieu révèle des choses. God reveals something. Les gens viennent tout au long de la chose. Maintenant, ils font un tour. Ils veulent plus avancer. Nous avons la révélation. C'est fini pour nous. Mangomba. C'est tout ce que le Seigneur nous révélera. Parce qu'avec la parole, il y a quoi de vérité. On avance toujours. L'éternité, c'est le fini. Tu ne peux pas t'arrêter quelque part. Ça continue. Nous savons qui est là. Nous sommes en train de vieillir. Ces enfants qui sont là, ils ne viennent pas avec les mêmes brochures que nous les avons fait. Ils vont nous appeler des rétrogrades. Oui, parce qu'ils vont lire les mêmes choses que nous avons fait. Et ils vont lire, ils vont voir qu'ils auraient une autre compréhension un peu plus haute. Et nous, nous avons les appelés. Il n'a pas d'expérience, on s'en fout des expériences. Amen. Rien à tout faire. Tu peux avoir beaucoup d'expérience, et un pharisien avec de l'expérience, frère. Mais quand je suis là, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'expérience. Ne vous prenez pas en moi, j'ai pas d'expérience. Je répète, on arrive à tout. Mais vos expériences. Amen. Ce n'est pas les expériences qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est la parole d'aujourd'hui. Amen. La parole d'aujourd'hui, nous allons te croire. Et le frère Branham dit, nous verrons les expériences passées. De toute façon, on met la parole là-dessus. Parce que nous ne pouvons pas vivre les deux expériences passées. Mais c'est chaque jour, frère. Aujourd'hui, nous sommes dans le huitième jour. Et nous parlons du huitième jour. C'est le message aujourd'hui. Écoutez, autant de littères, parce que les gens pensent que nous ne croyons pas certaines choses. Nous sommes là, nous croyons la parole. Mais le problème, c'est que ces choses-là, ce n'est pas ça les plus importants. Toi, tu penses que tu peux être millionnaire aujourd'hui, de même pas pour rester en faire tout manger. Amen. Tu peux être guéri de montrer une maladie. Où c'est pour Lazare? Allons chercher la veste de Lazare. C'est juste avec ce sexe. Jésus pour la foule. Fais la foule avec ces histoires-là, frère.
entendu notre qualité, les gens s'en fichent. Si tu n'es pas dans la parole, si tu veux, tu tiens quand même des miracles. Amen. Tu peux guérir toute la vie. Mais si toi tu ne cherches la parole, tu ne veux pas stabilité personnelle. Voyez-vous? Amen. Je finis sur la session. Il est question. Il dit toujours, c'est souvenir du Seigneur Jésus. Seigneur, donc le 9 décembre 60 par le 65, il dit, qu'est-ce? Hein? Ils avaient des préjugés. Hein? C'est pour ça qu'on a défini que c'est un préjugé. Vous voyez? Il dit, qu'est-ce? Ils avaient des préjugés. Ils avaient des préjugés. Ils avaient des préjugés sur l'évangile clair, net et spirituel qui enseignait. Parce que Jésus, quand il est venu, il s'est identifié par rapport à la parole de son cœur. C'était clair, c'était net. Amen. Mais eux, ils avaient des préjugés. Il dit, il était clair, net et spirituel qui enseignait la parole du Père. Ils étaient jaloux de lui. Ils avaient des préjugés sur lui. Et tant qu'ils auront des souvenirs, en fait, ils en auront toujours jusqu'à la fin des jours de mort. Et vous voyez, ils ont des préjugés, ils en auront toujours jusqu'à l'heure de la mort. Parce qu'ils ont toujours décidé d'arrêter. Alors que la parole a été rendue claire. Remarquez, frère Adam, vient nous prêcher. La parole est rendue claire par la prophétie. Donc, toute chose est devenue claire. Nous parlons de la Bible d'une manière claire. Mais les gens ne peuvent pas à cause des préjugés. Parce que le temps que c'était enfant, en fait, les gens se souviennent. Mieux de ce que les prêtres avaient dit quand ils ont eu les baptêmes quand c'était bébé, qu'est-ce que fait maintenant petit prochain? Attends. Les gens, people, se souviennent mieux de ce que les prêtres avaient dit quand ils étaient des enfants. The one priest said when we were children. Que Jésus va descendre du ciel dans un escalier. That Jesus will come down from heaven. Qu'est-ce que les prophètes ont vu, c'est que la Bible. From a letter. Then what the prophet said. Ouais. Alors que la parole a été rendue claire. What the word has been. Les prophéties ont été rendues claires. Prophecies have been made. Et les gens ont toujours des préjugés. But people still have to. Et ils disent qu'ils croient faire Branham. And they say they believe Branham. Comment vous croyez faire Branham? Alors je dis la parole de faire Branham. C'est pour ça que nous nous disons. That's what we say. Amen. Amen. C'est pour ça que moi je ne discute plus. That's why I don't argue anymore. Parce que toi tu m'amènes une citation. C'est frère Branham qui l'a dit. Moi aussi j'ai amené une citation. I also bring the quotation. Oui. Donc nous n'allons pas faire une guerre de citations. Maintenant, quand frère Branham dit que quelqu'un, on peut expliquer une chose à une personne. Yeah, explain something to somebody. Mais au lieu d'écouter pour apprendre, instead of listening to learn, il faut que rejeter la parole. Only parce que frère Branham ne peut pas se faire. Sauf que nous devons mettre les choses selon le propre. Comme nous avons dit, là nous sommes là, nous avons toujours aimé cette frère Branham, de ce frère Branham qui l'a dit, nous avons des patrons pour des tailleurs, des couturiers. The boss of voyez-vous, des couturiers, quand tu veux coudre, ils disent bien, un pantalon, ils ont déjà des patrons. Les tissus peuvent coûter extrêmement cher. Les tissus peuvent coûter cher. Mais les tissus peuvent coûter cher. Les tissus peuvent coûter très cher. Les fabriques can be expensive. Oui. Mais les tailleurs, ce qu'il a besoin, c'est ce qui convient au patron, la mesure du patron. According to the measure of the boss. Parce que une chemise, non, le patron, c'est pas le patron. Le patron, c'est le dessin qu'on fait. Les cartons pour les tailleurs, c'est ça qu'ils utilisent. C'est-à-dire qu'ils dessinent d'abord la vie. Okay. Et ils posent sur les tissus pour couper. Ok, that one pattern is they draw a cloth and a pattern and a cardboard. Voilà. And that's what we call the pattern. But lui, il a besoin de la pièce principale. He need a principal piece. Il y a des morceaux qui restent là. There are pieces that are left. Il n'en a pas besoin. He doesn't need them. Et il met ça
de côté. He put it aside. Et nous, au Congo, nous tous sommes des Congolais. Si tu veux ça, ça va bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent ces morceaux-là. Ils récupèrent ces morceaux-là. Et maintenant, ça devient Wax sur la baie. Et maintenant, Super Wax. Super Wax. Java. Java. Super Sugi chinois. Super Soso. Ils prennent tous ces parties-là, ces morceaux-là. Ils rassemblent cela. They make it together. Ça devient un pain. And it becomes. Et nous appelons cela le Zoba Zoba. And we call it Zoba Zoba. C'est normal que ce soit des Zoba Zoba. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les tissus. C'est un mélange. Ah, voilà les tissus-basso dans les sachets, tissus-basso dans les messages. C'est vrai. Sûr. Qu'est-ce que chose a été important. Mais c'est caduque, frère. Amen. Il y a des situations qui sont échues. Il y a des conditions qui sont passées. Oui, frère. Il y a des situations qui ont expiré. Qui se sont accomplies. On va mettre la parole là. Très bien dit. Quand une promesse est accomplie, on ne peut plus faire allusion à cela. C'est du passé. Voyez. Malachie 4, c'est très bien. C'est du passé. Comme une vierge enfantera. Elle veut les accomplir. Vierge a conçu depuis longtemps. Elle veut les accomplir. Donc c'est caduque. Il se passe à Dieu. Nous n'allons pas nous référer à cela, frère. Mais ça se trouve toujours dans la Bible. Il se dit, Bible. Ah, voyez. Et dans ce message aussi, il y a des choses qui se sont accomplies. Il y a des choses, c'est pas il y a des choses. Mais toutes les choses se sont accomplies. Amen. Amen. On a fermé la Bible, frère. Parce que toutes les choses devaient accomplir dans le Nouveau Testament. J'ai très bien dit, dans Dieu, vous voyez, il faut s'en penser. Toutes les paraboles de la Bible, toutes les promesses de la Bible ont été accomplies devant vos sous vos yeux. Amen. Nous parlons de choses qui ne sont pas écrites. Things which are not written. Dans Christ est la relation mystère de Dieu. In Christ is the revelation of God. Paragraph. Nous sommes les paroles du livre. We are the same. C'est nous qui sommes les paroles du livre. Amen. Je peux venir ici. Je ne lis aucun verset de la Bible. Je répète. I repeat. Je peux venir ici. I can come here. Je ne lis aucun verset de la Bible. I don't read any Bible verse. Je commence par ainsi dit Branham. I start by so. C'est un ordre. C'est un ordre. Parce que c'est la parole de Dieu pour nous. It's the word of God for us today. Amen. Comme il le dit lui-même. As he said himself. Et si Jésus était venu avec le message de Noé, if Jesus came with the message of Noah, it would never work. Mais n'oubliez pas. But don't forget. C'est le même Christ. It's the same Christ. C'est lui qui a commencé dès le commencement. C'est le même Christ là. The same Christ. Qui est là. Who is here. Sous une autre forme. Aujourd'hui, ce Christ là, c'est le Bouddha. That's Christ the Bride. C'est pour ça que je vous ai dit. That's why I told you. Du fond de mon cœur. Vous qui avez prié, parce que moi je ne prie pas, c'est pour ça que je ne prie pas, parce que je suis exauceur de prière, de chants, exauceur, frère. Il y a des gens qui ont cru cela, qui ont été exaucés, parce que convaincus puis concernés. Quand je suis concerné, je suis convaincu, j'exerce cela, je dis cela d'une manière claire et simple. Je suis exauceur de prière. Maintenant, quand tu pries, il dit que je ne dors pas. Parce que toutes vos prières ne sont pas le point. Voyez-vous, et moi étant le bouc, et moi étant Jésus-Christ, je prononce une parole et la chose s'accomplit. Pourquoi prier? Pourquoi les gens sont dans les églises? Ils sont toujours tristes. Pourquoi les gens sont là? Toujours comme s'ils viennent de commencer. Mais la vie chrétienne aujourd'hui, Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi cela. Pourquoi ne prononçons-nous pas la parole? Oh non, parce qu'il y a un grand pasteur qui va venir là. Lui, il a le pouvoir de guérir de mal. Il est incrédule. Amen. Est-ce que Jésus a fait guérir quelqu'un? Et Jésus a fait guérir pour moi. Non, non. Lisez la Bible. Oui, oui. Dieu. Où est-ce que vous avez vu? Oui, non, c'est pas Dieu, frère. Où est-ce que vous avez vu Jésus? Oui, ici, Jésus a fait une Bible. Chaque fois, il disait, et là, on se voit à son frère. En plus, il disait pas que ta foi t'a guéri. Il disait, mais il disait, ta foi t'a sauvé. Il disait, frère, frère,
Parce que l'histoire de cette chose-là, frère, on dit que même pas la guérison, frère, les gens pensent que nous ne pouvons pas ces choses. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des témoignages. Nous pouvons en faire, frère. Nous ne sommes pas là pour chanter, faire des trompettes et des tambours. Frère, nous sommes des témoins. Aujourd'hui même, frère, c'est pas l'histoire du passé. Je n'ai pas besoin, frère, que j'aille où que ce soit. Si il y avait une femme, il avait passé quelque chose de ça. Cette dame-là, c'était. Je croyais déjà ces choses aussi, voyez-vous. Je croyais déjà ça. Cette femme-là, il y avait un deuil quelque part, j'avais parlé là-bas. Et cette femme-là, c'est enseignante. Elle voulait me voir. Cette femme souffrait de la maladie, la femme-là qui avait 12 ans de maladie. Voyez-vous. Et cette femme me croyait chaque fois. Elle m'appelait, viens, prie pour moi. Come pray for me. J'estimais toujours. Je ne voulais pas prier. I don't want to pray for her. J'ai refusé carrément. J'ai dit, je refuse. Bon, je lui ai pas dit concrètement. Amen. Voyez-vous. Mais j'ai cherché mon ego contre moi. Il m'a tellement importuné. Je sais ce que je suis chez elle. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu veux que moi je prie pour toi? Why do you pray for me? Parce que je sais que je vais écrire bien. Il s'est pas là où il fait, j'ai fait de la comédie. But I did some comedy. Donc, pour me débarrasser de cette femme-là, j'ai demandé comme ça, c'est elle. J'ai prononcé quelques mots. Parce que je voulais faire plaisir. Nous ne parlons pas des histoires. Il est parti un jour après, il est parti à l'Ukraine. Qui est complètement extraordinaire. Nous ne faisons pas des histoires. Ce que nous disons, c'est parce que nous savons ce que nous disons. Nous savons là où nous sommes. C'est nous parce que nous disons là, frère. Moi, je ne fais pas d'aventure. C'est vrai que j'aime les voler. Mais quand il y a des choses, c'est du sérieux. Nous avons expérimenté la parole. Nous parlons la parole à chaque fois. Moi, je ne t'inquiète pas. Il y a un enfant malade qui dit que c'est malade. Il suffit que je sois au courant de la chose. Il suffit que je sois au courant de la chose. J'ai dit rien de la chose. Nous avons la parole réelle. Parce que les gens pensent que parce que nous n'en parlons pas, que nous sommes rien et tout. Non. Mais parce que nous sommes la parole. Nous sommes la parole. Parce que. Dans les livres, il est parlé de moi. Et les paroles du livre, les sources qui ont été révélées, les sources, c'est quoi? Le monde entier attendait la bonne parole du Seigneur. Et bien, on dit que nous sommes les paroles du livre. Ce qui a été scellé, c'est nous qui sommes manifestés. Voyez-vous, quand je prononce une parole, et ça c'est la chose sainte, ne rigolons pas avec la parole, frère. Prenons cette parole réelle, cette parole-ci, c'est une parole réelle, c'est une belle histoire. Quand nous faisons ces choses, j'ai travaillé avec quelqu'un, un Suisse, frère, un Vietnam, et il m'a dit, c'est donc, on n'a jamais parlé de ces choses, frère. Il n'a jamais parlé de ces choses. Voyez-vous, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler. Parce que nous avons autre chose qui est très important pour les hommes, des choses, frère. Voyez-vous, et cet homme m'a dit, on était dans le cadre de travail, il m'a dit que depuis que je suis marié avec ma femme, mais il a 10 ans de mariage sans enfant. J'ai dit, Laurent. Parce que son nom s'appelle Laurent. Je dis, moi je crois que tu auras un enfant. C'est un frère, ça ne loupe pas, frère. C'était quelques jours après, c'était passé. Laurent Malder, il était pas. Et on l'a renvoyé du travail. Il m'envoie un message. D'ailleurs, on s'est retrouvé avec Frère Capé, on était à Toulouse. Il m'envoie un SMS. Ma femme m'a dit, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas si Pascal Capé se souvient. Non, parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous parlons, c'est que nous disons. Frère Madame a prêché le message. Amen. Convaincu puis concerné. Quand je suis convaincu d'une chose, je suis concerné. Cette chose-là de témoin. Quand nous parlons que nous sommes dans le 8e jour, nous parlons la parole du 8e jour. Le 8e jour, c'est moi. Si vous cherchez autre chose, ça vous regarde. Mais moi, je suis conscient que je suis la parole de Dieu. Mais quand je prononce cette parole doit nous bénir. Vous avez peur de moi. Vous avez peur de moi. Ce qui est étonnant, c'est dans ce message. Les gens tremblent devant les démons. Quand vous voyez ces démons, ils vont faire du mal, frère. Quand vous voyez la main, ils n'enlèvent pas de terrasse, frère. Mais si tu es incrédule à ce qu'il y a, ça ne marchera pas. Comment un fils et une fille, une fille de Dieu qui croit la parole, pour se trembler? Oh non, mes affaires ne marchent pas, c'est des sorciers, ma carrière, mais ça va pas, non? Ça va? Ouais, j'ai dit ceci. Ah ouais.
Alors, on va bientôt finir. Nous n'avons pas besoin de toutes ces citations parce que de toute façon, amen, nous croyons cela. Voyez-vous, il dit c'est ainsi qu'ils auront à se souvenir de lui. Vous dites, oh, là, c'était les pharisiens. Nous disons, je veux ça, hein, que là où étaient les pharisiens. Les pharisiens, oh, c'était les incrédules. Et puis, voyez, la même chose aujourd'hui, ils ont beaucoup de préjugés. Sauf que par rapport à la parole. Hein? Par rapport à la parole. Vous savez, ça doit être comme ceci. Je sais que ça doit être comme ceci. Mais qu'est-ce que dit le prophète par rapport à cela? Parce que le problème, c'est que nous généralisons les choses. On ne peut pas généraliser. Frère Branham dit que maintenant que l'épouse soit mature, pour l'épouse séparer les deux sœurs, vous voyez, faites l'œuvre d'un évangéliste. Parce que la situation a fait dire que j'attends que l'épouse soit mature pour séparer les deux sœurs. Parce qu'aujourd'hui, la sémence a été séparée. Amen. Parce que quand on parle du septième jour, c'est le septième âge de l'Église, c'est l'âge des pentecôtistes, pas de votre âge. Amen. Amen. L'âge pentecôtiste, c'est ça le septième âge de l'Église. That's the seventh age. Mais quand nous passons au huitième jour, ce n'est plus du pentecôtisme. C'est pour ça que nous ne parlons pas de ces choses-là. Que j'ai eu de l'argent, je vais vous poser une question. Parce que c'est ça que nous avons dans les églises, n'est-ce pas? This is what we have from church. Tu vas prendre une voiture en crédit. You're going to get a credit. Tu viens de marche. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Dieu m'a béni! God has blessed me. J'achète une voiture. Mais si les gens oublient de poser la question, montre-nous la facture. People forget to ask the question. So ask them that they will receive. Tu ne vas acheter. You didn't buy it. Tu as des dettes. You have debt. Et c'est Dieu t'a envoyé de prendre une dette. Yes. The God said you want it debt. Tu veux dire que Dieu t'a béni parce que tu as acheté une voiture. Dieu t'a dit d'aller prendre des dettes. God said you want it debt. Hein? Non, c'est ça l'histoire. Is it that? J'ai acheté une maison. Oh, what a half. Non. Les calmes, c'est calme parce que les dettes ont été des problèmes. Mais ce qui ne paye pas. Amen. Tu vas dans la maison. 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 Non, non, soyons sérieux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui dure, qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Glory to God. Je n'avais pas des enfants, j'avais un enfant. Mais non, c'est pas, c'est Dieu qui a donné. Non, it's God that's given. Les enfants, c'est une bénédiction. Tu veux dire, les enfants, ils seront bénis. The children of the blessed. L'enfant 18 ans. The child is 18. Il est né Al-Qaïda. He become Al-Qaïda. Il fait une bombe. He become a deux bombes. Il tue 1500 personnes. He kills 100 people. Maintenant, les témoignages que tu as donné là. And this is what they give. Donc, Dieu t'a béni en devenant un terroriste. God bless you. Non, mais bon, c'est ça. Dieu t'a béni. God bless you. Et t'a donné un terroriste. He gave you a terrorist. Tout ce que nous avons. Everything that we have. Qui nous amène, nous avons. Oui. I bring you promise, c'est l'affaire. Forget it. Oublie ces histoires de Dieu. C'est toi qui as cherché ça. You are the one. De toute façon, il n'est pas. C'est vrai que nous croyons à la. On va finir là. Nous croyons à la bénédiction de toutes ces choses, frère. Mais quand quelque chose t'amène des ennuis, ce n'est pas de Dieu. Non, le puissant. Parce que la bénédiction, quand Dieu te bénit, ça ne peut pas être accompagné de chagrin. N'oubliez pas cela. Dans toutes choses. Si tu as quelque chose et que ça t'amène une histoire, c'est toi qui as changé cette chose-là. D'ailleurs, quand Dieu bénit, entre guillemets, il n'y a donc Dieu tranquille. Voyez-vous? Alors, attention aux préjugés. Que ce soit par rapport aux gens, par rapport, surtout par rapport à la parole. Spécialement, to the word. Des idées arrêtées. Stop à dire. Des idées qui sont formées. Il y a des idées non, ça doit être obligatoirement comme ça. It has to be like that. Vous voyez?
Dieu n'est pas un Dieu d'habitué. God is not a human God. Quand nous voyons la Bible, when we see the Bible, amen. Amen. Dieu a utilisé que des mauvais hommes. Only use bad people. Nous pouvons les énumérer. We can. Jacob, un voleur. Jacob, the thief. D'ailleurs, les Juifs d'aujourd'hui sont des voleurs. Juifs, tu veux faire un père, n'est-ce pas, les Juifs. Par exemple, si ils ont des Juifs, ils ont des Juifs, ils ont des Juifs, ils ont des Juifs, ils ont des Juifs. Ok. David, je ne dis pas que vous soyez des méchants. Ah, non, c'est une d'accord. Oui. Parce que souvent, nous transformons les choses. Nous transformons les choses. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, imagine, according to the heart of God. Un métier, un alimentaire, et toutes ces choses-là. On peut en citer beaucoup, mais nous ne sommes pas là. Et écoutez-moi bien, vous ne comprenez pas mal ce que j'ai dit. Je ne vous dis pas d'aller faire ce que vous voulez. D'une manière ou d'une autre, voilà, vous allez subir les conséquences. Nous subissons les conséquences de ce que nous faisons. Toutes les paroles qui sortent de nos bouches, tous nos actes, even though we pronounce, even we say, you will pay ici. You will pay here. Amen. Mais je ne m'appelais pas à dire ceci. I will not miss to say this. Ce qui peut être, peut-être j'ai fait quelque chose. It, maybe it's a something. Aux yeux des humains, ça peut choquer. Sure. Et là, je demanderai par pardon aux humains. They, I will ask forgiveness to you. Mais cela n'impacte pas ma foi. But that's not my faith. Je ne dis pas aller vivre comme vous voulez. I don't say de toute façon, je peux aller dans une boîte de nuit. I can go to the nightclub. Mais le fait que je dors, c'est pas que c'est pas mon endroit. Because je ne peux pas me sentir à l'aise. Et je n'ai même pas intérêt. Frère Baron dit que, amen, je peux partir avec une fille. Femme. I can go with the, mais tellement que j'aime Meda. Because I love Meda. Je ne lui ferai pas du mal. I will not hurt. Voyez. Nous aussi, nous n'avons pas faire plus que nous. Nous aussi, parce que par amour, même par rapport à la parole, par amour de la parole, je ne l'aime pas du parce que j'aime cette parole. Et quand je la prononce ici, les gens m'écoutent. Alors, les gens qui m'écoutent dans cette chose, ils viennent me voir avec une copine. Tout ça, c'est vrai. C'est ça la chose. Nous ne faisons pas ça parce que c'est interdit. Parce que moi, je suis libre, je peux faire tout ce qu'il n'y a pas de problème. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Vous voyez? Parce que quand nous prononçons ces choses, les gens nous regardent. Vous voyez? Donc, quelque part, par respect, par respect, par amour à cette parole. Par amour à cette parole. Amen. Oui, nous allons laisser ce soir. Oui. Voyez-vous, mais simplement ce matin, je vais vous transmettre ce message. Nous devons ôter cette histoire-là. Nous avons lu les jugements selon les apparences. Oui. Don't judge by jugeons selon la justice.